One, two. Check me out right here, yo. Not again. Yo, the sun gon' shine forever on my statues and retired jerseys. I'ma live forever. Better now or never. Kill Damon, my pleasure. We see you lose every year. Nobody do it better. Yeah, right. Weak ass bars, you ain't tight. So when you spit something, make sure you spit it right. Don't make an ass out of yourself, cause you're losing. The diesel's known for bruising. What is you doing? You know that I'm Hall of Fame above you, Damon. Hug you, Damon. I'ma make you love me, Damon. Talking crazy ain't gon' get you nothing but smoke. Like when we see you in the playoffs every year when you choke. So the only thing left now is kill these cats. Soft ass baller, I'ma kill these cats. Already one, I'm too smart for these cats. Why you spitting metaphors? I'm spitting up fat in the commission. I don't need no permission to hit him. I'ma f*** him up even if my column is with him. See, this little dude can't take defeat. He don't even believe that corny bullshit. A little Kobe comment you said had me grinning. Three times MVP, damn, at least I'm winning. First of all, little boy, you see, this ain't beef. You just a talking while I'm hitting, call it a queen. Trying to act like a superstar, pointing your logo. Same cadence in your last flow, switch up your vocals. I can tell in your flow that you rattle. How you a battle rapper in your real job, you ain't win no battle. See, you rap cause you need a dog, I do it for sport. When you run, I see that tampon string in your shorts. And you shoot too much, dudes on your team hate it. Keep talking, make a phone call, get you traded. You probably chose zero cause you thought it was hot. You ain't hard cause in real life you dress like a thot. First spanking that I gave you, son, I meant to whelp you. I'm so mad, even God or Allah can't help you. Cash rules everything around me, greed. All them looking ass boy, I'm the Lord of the Rings. Clout chase, who you? You ain't got what I want. Why would I clout chase a dude with camel toe in the front? I'm in your ass now, damn it, ain't gon' ever lay off. Sitting at the desk, watch you die in the playoffs. Things I don't need is attention and money. Tension for what? 10 commercials running, you dummy. Can't wait till you lose this year. Dr. Diesel gon' bring you in for your annual pap smear. Bring that ass over here. You can't walk away cleaners. You gon' walk shoulders down, looking lost and defeated. Put some respect on my name. Put some respect on my game. Put some respect on these flames. I'm the big LeBron James. You can never come close to the GOAT. Barely make it every year. Cry, complain about them all-star votes. See you drop that second track in a hurry. How you gon' rest your case when I'm the motherfucking judge and the jury? You said my Shaq shoes are sheep. But why when I walk in these bitches, boy, I can't be beat. See, you got the millennial fool. How you rep Oakland, but we're to an Alameda Catholic school. Sitting in a church-friendly classroom facility. Right rhyme don't give you ass no street credibility. Okay, I see what you did, yo. Alameda south of Oakland and east of San Francisco. If you were so great, they would've retired your jersey at Weber State. But they didn't cause they know you were fake. The world gon' see you fall. Literally, I'ma do to you what Rondo did to Chris Paul. I'ma leave your ass dead and stinking. About to put your lord on ESPN or your Bleacher Report ranking. Think I really care if we speak? You just mad cause your whole salary, yo, I'm making a week. You're losing, Damon. We can see it so blatant. Dr. O'Neal operating on the patient. You know I got a PhD. That Stanford put his ass down, you nothing but a scrub to me. We can keep this going, keep on flowing. Shaq is worldwide, Dame Dollar don't know her. But you think I wasn't gonna respond? Dropping little grenades, I'm dropping. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown, LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings with the story playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. Allez, nous sommes dans la deuxième partie de ce talk show spécial Total Africa NBA. On fait le point sur l'histoire, enfin sur l'impact de ces joueurs qui ont véritablement changé l'histoire des joueurs africains en NBA. Et on a parlé dans cette première partie, on a partagé nos impressions concernant cette signature, ce contrat max de Pascal Siakam, et ce qu'on attend pour la suite aussi par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'il pourra proposer dans les années à venir pour les Raptors. On va parler globalement de ces joueurs africains, de l'impact de ces joueurs africains en NBA. Et lorsqu'on parle d'impact, il y a deux aspects que je voulais
que je voulais partager avec vous. Le premier aspect, c'est bien entendu l'impact du jeu, hein, l'impact du jeu et l'impact au niveau financier. Au niveau de l'impact du jeu, on va pas refaire l'histoire de la NBA ce soir, mais on ne peut pas, mais si on peut pas commencer de parler d'impact sans parler d'impact sur le jeu au niveau des joueurs africains, sans parler de Hakim Olajuwon, hein, Missy, je te laisse enchaîner là-dessus. Vas-y. Je veux peut-être laisser Simon s'il a une petite anecdote, moi aussi. Je dirais quelque chose après. Le doc, tu veux enchaîner là-dessus? On veut parler de l'impact de ces joueurs africains dans cette ligue. On commence par la partie du jeu. Hakim Olajuwon, c'est bien évidemment un homme qu'on ne peut pas éviter, hein, Hakim Olajuwon avec les Rockets de Houston. On se rappelle encore de ce, enfin, on se rappelle, hein, pour ça, c'est pour les plus vieux, ça, les plus jeunes, et ils ne le savent forcément pas. On vous invite vraiment à regarder sur YouTube, hein, si vous n'avez jamais entendu parler d'Hakim Olajuwon, allez regarder sur YouTube, vous allez regarder, vous comprendrez pourquoi il fait partie des meilleurs pivots de l'histoire de la NBA, tout simplement. Hakim Olajuwon avec les Rockets de Houston, deux titres de champion NBA, un back-to-back, il faut le rappeler. Et ensuite Hakim The Dream qui on rappelle que le plus gros contrat qu'il a même signé, c'était même pas avec les Rockets, hein, c'était avec les Raptors, c'était en 2001, et vous allez rigoler, c'était un contrat de 17 millions c'était 17 millions sur 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans, c'était 17 millions, vous rendez compte, c'était nous sommes en 2001 quand il signe son contrat de 17 millions. Non, mais juste pour dire une chose. Vas-y. Juste pour dire une chose, vous savez à quel âge Hakim Olajuwon a commencé le basket? Vas-y. Hakim Olajuwon a commencé à pratiquer le basket à 17 ans. Mmh. Mais vous, à 17 ans, quand vous pratiquez le basket, vous ferez. À cet âge-là, vous ne vous dites pas qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de cette ligue. Ouais. À 17 ans, vous n'avez que très peu de chances de réussir. Mais pourquoi Hakim Olajuwon a si bien réussi en ayant commencé le basket tardivement? Parce qu'il a intégré une chose, c'est qu'il serait toujours un étudiant du jeu. Donc, Hakim Olajuwon, c'est au Nigeria qu'on le repère. Et quelqu'un, il a une invitation pour aller jouer en NBA. Il a deux destinations, c'est apparemment, dans un aérogare, il sait ni, il vient de son Nigeria, il sait ni où se trouve Houston ou quelqu'un d'autre. Et puis finalement, il choisit Houston. À Houston, son coéquipier, vous savez quel était son coéquipier à Houston? Dans cette fameuse fac de Houston. Son coéquipier était Clyde Drexler. Tous les deux ont fait équipe en NCAA. Et puis ils se sont retrouvés dans le second titre, hein, de Houston. Ce fameux second titre où Clyde vient à Houston. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'Hakim Olajuwon a été drafté quand même en première position devant un certain Michael Jordan. On dit aujourd'hui meilleur joueur de tous les temps. Donc les mauvaises langues diront c'est parce que Michael Jordan a fait sa première retraite que Hakim Olajuwon a eu ses deux titres. C'est totalement faux. Et il a eu ses deux titres parce que c'est un très bon joueur et que sans lui dans les parages, Houston n'a pas de titre. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui vont à Houston d'aller devant l'entrée du Toyota Center. Vous trouvez sa statue. À chaque fois qu'il y a les finales, il est présent. Il est évidemment présent dans cette salle. L'âme de cette salle, c'est lui. Et ce qu'a apporté Hakim Olajuwon et rajouté à Hakim Olajuwon, Dikembe Mutombo, ensuite Manute Bol,
ces trois joueurs-là, ils ont fait dire aux gens que le basket, il est partout dans le monde entier. C'est un sport universel. C'est que l'Africain est capable de jouer. Eux, ils ont fait une chose qui est très bien. C'est que ils sont venus de très loin avec un bagage un peu plus limité, mais la volonté, tout à fait, qu'ils ont joué très longtemps, restait toujours à un bon niveau. Parce que quand, regardez par exemple Mutombo. Mutombo, quand en 2001, c'était en 2001 avec les Sixers et tout ça, quand il joue pour le titre, Dikembe Mutombo est omniprésent, il a des très bonnes stats. Après, maintenant, ce qu'ils ont fait de bien par rapport aux nouveaux joueurs, aux joueurs africains qui arrivent aujourd'hui, c'est qu'ils ont installé des assises. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire, ah, mais ils viennent de l'Afrique, il n'y a pas le jeu, ils n'ont pas les moyens. La réussite doit au fait que quand vous êtes dans un environnement, vous pouvez pas dire, moi, je viens d'un environnement où il n'y a pas tout ça. Il faut vous retrousser les manches et faire comme fait tout le monde. Vous avez une chance incroyable d'être là où la majeure partie des gens ne seront pas, y compris même les Américains. Vous avez une chance incroyable d'avoir accédé à quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir accédé à quelque chose et dire, ah bon, ben, chez nous, il n'y avait pas ci, vous ne pouvez pas être dans la complainte. Vous devez apprendre la langue. Bon, pour Hakim Olajuwon, c'est un peu plus facile. Le Nigeria, on parle déjà anglais. Mais vous devez vous adapter aux autres aspects de la vie et toujours être en perpétuelle progression, faire évoluer votre jeu. En tout cas, ils l'ont démontré. Vas-y, on enchaîne. Juste une chose. Vas-y. Je dis à tout le monde qui n'a jamais vu ni un match, ni aucune vidéo d'Hakim Olajuwon d'aller sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi les Joel Embiid et autres Pascal Siakam et rarement, plus globalement, de nombreux joueurs américains le citent en exemple, en modèle. Il fut un temps où tout le monde allait faire les stages chez lui. Voilà. Donc voilà, tu parlais d'Hakim Olajuwon, on va parler aussi de ses joueurs, parler compléter et parler de ces autres joueurs qui ont impacté le jeu, même si au niveau sous, ils étaient pas mal non plus. Alors, tu parlais de Dikembe Mutombo. Là, je prononce son nom raccourci, mais son nom complet, je l'ai pas devant les yeux. Là, il faudrait que je me rappelle son nom complet. Son nom qui est très très long. Dikembe Mutombo et sa carrière, une carrière extraordinaire qu'on ne présente plus. Dikembe, je me souviens encore de son contrat. Enfin, je me souviens de son contrat. Je regarde encore sur internet. Là, on rappelle qu'il avait signé aux Hawks d'Atlanta. C'était un contrat de 7 ans qui tournait autour de 70 millions de dollars. 7 ans pour Dikembe Mutombo, qui a vraiment impacté au niveau défensif. Il y a d'autres joueurs qui sont venus. On va parler aussi de Luoldeng. Luoldeng, vous vous souvenez de Luoldeng, hein, Luoldeng, l'anglais aux origines du Sud Soudan. Il y avait le Soudanais venant quasiment du même endroit, Manu Tebol, voilà. Je voulais parler, on n'oublie pas Luc Bamouté, hein, Luc Bamouté aussi, qui a véritablement ouvert aussi une autre porte pour ces joueurs africains. Luc Bamouté, une exemplarité assez rare dans le monde du sport, qui est toujours là. Sa situation n'a toujours pas été clarifiée, mais il cherche toujours un club en ce moment. Luc Bamouté, on ne le présente plus. J'ai parlé de Luoldeng, Même ceux qui n'ont pas tout à fait réussi, oui. Comme on dit. Boumdje, moi je suis né. Voilà, c'est ça. On rappelle le premier Camerounais d'ailleurs. On rappelle, hein, oui. Ruben Boumdje, premier Camerounais en NBA. Promotionnaire il est de la promotion Allen Iverson, il vient de Georgetown, Ruben Boumdje, donc c'est aussi quelqu'un qui a ouvert la porte. Parce qu'il est aujourd'hui même dans le cadre des Sixers. Voilà, donc c'est autant de joueurs qui ont. C'est la réussite.
qui ont marqué l'impact. Le fait de rentrer à la NBA, c'est un réussit. Parce que tout le monde n'y va pas, y compris même les Américains. Les gens restent aux portes de la NBA et n'y accèdent pas. Vous, si vous avez mis les pieds, vous avez contribué à quelque chose. Après, il y a l'utilisation que le coach fait de vous aussi. Hein. Ouais. Parce que quand on parle de Siakam aujourd'hui, en tant que franchise player, au début, quand il a commencé avec Dwayne Casey, il a été envoyé en G-League un peu partout. Il jouait pas vraiment beaucoup de minutes. Et aujourd'hui, on mise déjà sur lui. Voilà. Et donc, pour compléter justement cette partie-là, on va parler aussi de ceux qui ont le plus gagné au niveau financier. Et ça, c'est plus récent, hein, puisque les joueurs d'origine africaine n'étaient pas réputés pour être ceux qui gagnaient le plus. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué avec notamment à la. On a fait un dossier avec les 5 Africains les mieux payés et les sur la NBA. Donc là, c'est encore récent, mais on a quand même Alfaro Kaminu, le Nigérian. Alfaro Kaminu qui est bien connu, hein, notre vétéran en NBA qui joue pour le Magic d'Orlando. Le plus gros contrat de ce joueur, c'était en 2015 avec il signait un contrat de 4 ans pour 30 millions de dollars avec les Blazers de Portland. On a le Congolais Bismack Biyombo, ça c'est aussi assez récent. Bismack Biyombo c'est quand même un joueur qui avait un contrat qui tournait autour de 72 millions sur 4 ans entre le Magic et les Hornets de Charlotte. Bismack Biyombo, encore à ce jour aux Hornets de Charlotte, qui va jusqu'au bout de son contrat. Bismack Biyombo, après lui, c'est Joel Embiid. Hein. Joel Embiid, c'est encore assez récent, c'est octobre 2017. Joel Embiid qui signe son contrat avec les Sixers, 148 millions de dollars sur 5 ans. Et on rappelle que c'est un contrat qui pourrait lui permettre, qui pourrait atteindre les 170 millions si Joel Embiid rempli des critères précis comme être élu meilleur défenseur ou alors être élu MVP. Il peut aller jusqu'à 170 millions de dollars pour Joel Embiid, voilà. Et Pascal Siakam qui a signé samedi pour 130 millions de dollars sur 4 ans. Donc voilà pour autant de personnalités de ces joueurs qui ont frappé à la porte de la NBA et qui ont permis de faire véritablement évoluer l'image de l'Africain NBA qui n'est plus considéré comme ce joueur uniquement dédié aux tâches défensives, hein, c'est un peu ça le l'étiquette qui a été collée sur les joueurs africains pendant longtemps, mais aujourd'hui les choses ont beaucoup changé et avec Pascal Siakam aujourd'hui en option numéro 1, c'est vraiment une autre vision. Une autre page, hein, une véritable page de l'histoire des joueurs africains qui se tournent ce week-end. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est puisque maintenant les recruteurs se regardent de plus en plus en Afrique. Alors, tu en as parlé, mais ici, ils regardent, ils scoutent, ils mettent des tournois, ils font jouer les jeunes et tout ça. Donc l'Afrique est un continent qui compte de plus en plus. Et ça, et si vraiment on en parle, c'est pour motiver vraiment ces jeunes qui veulent avoir cette chance de ne pas se décourager et de croire que c'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous. Vous êtes cette génération qui a cette possibilité de rêver. Se décourager, mais il faut percevoir que la concurrence est rude. On va écouter le Doc ONP aussi un petit peu. Le Doc ONP, je vais pas te diriger, mais je vais te laisser aller dans le. Je vais laisser tes pensées se dérouler dans ce sujet global sur l'impact de ces joueurs sur l'image du joueur africain en NBA. Le Doc ONP. Le Doc qui est là. Oui. Vas-y. Oui, je suis là. Vas-y. Non, j'avais pas grand-chose de plus à rajouter. Hein. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. C'est bien. On franchit encore un palier pour les joueurs africains. On franchit encore un palier qui est, comme tu l'as dit, important. À commencer avec certains. Et n'oublions pas que c'est même un Africain, vous avez parlé d'Olajuwon, quand on parlait d'Olajuwon,
qui est le premier joueur. Hein. Il y avait, avant lui, il n'y avait aucun joueur qui a remporté le MVP de saison et le MVP des finales la même saison. Il n'y avait personne qui avait fait ça et que le meilleur contreur de l'histoire, ça reste lui. Et, présent, et derrière lui, juste pour te couper, derrière lui, c'est Dikembe Mutombo. Hein. Effectivement, et que la joueur, on a encore marqué, on se rappelle cette saison, bon, c'est moi-même, je me suis documenté plus jeune, mais c'était plus près déjà de ça. La fameuse saison 88-89, où Olajuwon, c'est 200 contres et 200 interceptions. Un pivot qui faisait deux, qui fait 200 interceptions dans une saison. On dirait Allen Iverson, quoi. C'est ce que tu veux dire, quoi. Oui, voilà. Mais même pire, parce que ce qui prend son heure, c'est que là, il a plus de 2, combien de, d'interceptions par match. Et mais c'est fort. C'est fort. C'est tout simplement incroyable. Il a vraiment marqué pour l'histoire. Et c'est un joueur africain qui a ouvert pour beaucoup d'autres cet espoir. Il n'a pas ouvert la voie parce que les voies sont pas pareilles, mais il a donné un espoir à beaucoup qui on remarque. C'est pour ça que Joel Embiid nous marque un peu dès qu'il est arrivé dans cette ligue, dans sa gestuelle sur le terrain, dans ses moves. On sent vraiment une inspiration Olajuwonesque. Donc après ça, des Pascal maintenant, avec ce gros contrat après Joël, après les Bismack, comme tu as dit, maintenant tu trouves Pascal avec ce gros contrat, ça va encore donner plus d'espoir à des joueurs africains et se dire, au fur et à mesure, on ne sera plus en NBA que pour telle ou telle tâche, ou que pour nos avantages physiques, ou que parce qu'on est passif, ou que... Il y avait beaucoup de raisons qu'on donnait aux joueurs. Ah, on n'a pas parlé de Giannis quand même. Giannis, un monstre maintenant qui effraie tout le monde. Hein. Il effraie tout le monde. Giannis, il représente l'Afrique et ça c'est très bien. Il n'a pas peur de parler de ses origines. Mais encore lui, il a cette chance d'être passé par l'Europe et d'avoir une formation, pas une formation, mais des séquences européennes. Voire d'avoir une forme de bénéficier de ces acquis européens ou avant de partir, mais ceux qui viennent vraiment d'Afrique, qui n'avaient rien, c'est-à-dire que au fin fond de l'Afrique, tu ne sais même pas si tu peux jouer en Europe déjà. Certains qui finissent en Europe, dans des bons clubs, sont déjà contents. Mais ceux alors qui traversent ça pour aller jusqu'après l'Atlantique et s'imposer dans la Big League, comme on l'a dit plusieurs fois, au State, il y a tellement de talent pour s'en sortir, c'est incroyablement dur. Pour être repéré et aller au sommet, ça résulte du miracle et ou bien d'une force incroyable. Donc, arriver à là, pour certains, franchement, moi je trouve ça. J'ai même pas les mots. Les gens ne se rendent même pas compte. Les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'il faut faire pour en arriver là, à ce niveau, parce que là, c'est le sommet, on parle du sommet, c'est que Embiid et nous, originaires du Cameroun, on peut être fiers, parce que finalement, ce sont deux jeunes du Cameroun, c'est pas même deux jeunes nés en France ou nés aux États-Unis, mais originaires, ce sont deux natifs. Un de Douala et un de Yaoundé et un de Douala, voilà. Voilà, de la natif des galères du continent et du pays en Afrique. C'est magnifique. Qui, finalement, vont avoir des contrats max. Ouais. On appelle les contrats max, c'est pas tout. Il y a des joueurs qui sont en train de supplier pour qu'on leur donne le contrat max. Suivez mon regard à Sacramento avec Buddy Hield, par exemple. ou bien à Boston avec Jaylen Brown, par exemple. Une chose à dire aussi par rapport à ça, c'est l'ordre et la discipline dont ils ont fait preuve, ou devaient faire preuve d'ordre et de discipline. Très important. Si vous n'avez pas ça de base, vous ne pouvez pas envisager d'aller très loin. Eux, ils ont eu ça, ça a fonctionné chez eux. Parce qu'il faut dire aussi qu'ils ont des parents, des familles qui ont été derrière et qui ont fait des sacrifices. Vous ne laissez pas partir un enfant dans une société que vous ne connaissez pas. Vous vous dites qu'il aura peut-être un avenir meilleur. Peut-être qu'il n'aura rien du tout, mais eux,
ils ont poursuivi leur rêve jusqu'à le toucher du doigt. Maintenant, une chose à savoir, le rêve peut s'arrêter à tout moment, donc les efforts doivent être constants pour que le rêve se poursuive. C'est exactement ce qu'ont fait les Hakim Olajuwon, les Dikembe Mutombo et tout ça. Ils ont maintenu les efforts tout au long des années jusqu'à leur fin de carrière. Rendez-vous compte que jusqu'au début des années 2000, Dikembe Mutombo, défensivement, il a encore été extrêmement bon. Il a vu son nom, Dikembe Mutombo, retiré de deux franchises. Il y a très peu de joueurs qui ont leur nom retiré des Nuggets et qui ont leur nom retiré des Hawks. Il manquerait plus pour lui qu'un jour les Nets, puisque c'est devenu les actuels Nets aujourd'hui, disent on va retirer le nom de Dikembe Mutombo. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur ça. Allez. Mais, juste une chose Vas-y. Que je peux dire, Vas-y. C'est qu'aux États, l'Américain, pourquoi on l'aime? Parce qu'il ne fait pas de distinction entre lui et les autres. Il cherche les meilleurs. Donc, il ne comptabilise que les meilleurs. Il ne regarde pas que vous vous appelez Joël Embiid, que vous n'êtes pas Américain. Il regarde qui est le meilleur. Si c'est un Américain, si c'est un Canadien, si c'est autre chose, il n'hésitera pas à vous mettre devant Allez. Un Américain. Allez, on va enchaîner. On a des dernières news à partager avec vous rapidement pour la partie Afrique. On va accélérer. On va aller du côté du Gabon pour rappeler la signature, le two-way contract de Chris Silva Obame. On le rappelle, hein, ce contrat... De Chris Silva Obame qui signe un two-way contract avec le Heat de Miami. Il va notamment naviguer entre l'équipe 1 et la NBA G League. On reste au Heat de Miami pour partager avec vous cette info. Vous avez dû le voir sur le réseau. Si c'est pas le cas, on vous le rappelle. C'est la suspension de Dion Waiters. Dion Waiters qui a vraiment énervé Pat Riley ces dernières heures. Alors, il semblerait que depuis le début de la pré-saison, Dion Waiters est malheureusement lié à plusieurs incidents qui opposeraient certains joueurs et lui. Donc voilà, et la direction du Heat a donc décidé de le suspendre jusqu'à jeudi prochain. Pat Riley qui a dit « Un nombre inacceptable d'incidents cette semaine se sont produits avec comme responsable Dion Waiters ». Et cela est arrivé au point où nous avions dû prendre la décision de le suspendre. Voilà, il va revenir, il va être privé d'un match. Et ce match va lui coûter en autour de $83,000 de perte. Ça, c'est pour Dion Waiters. On va du côté des Sixers pour parler aussi de Chris Koumadjé. C'est le Tchadien Chris Koumadjé qui va quitter les Sixers, qui va rejoindre la NBA G League cette saison. On espère qu'il va pouvoir trouver la force de réaliser ce qu'a fait Pascal Siakam et qu'il va relancer la machine de son côté. En tout cas, de son côté. On pense qu'il va pouvoir se relancer et puis enchaîner pour la suite. Restez bien connectés, on passe une petite pub et puis on revient à tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. One, two. Check me out right here, yo. Not again. Yo, the sun gon' shine forever. On my statues and retired jerseys, I'ma live forever. Better now or never, kill Damon, my pleasure. We see you lose every year, nobody do it better. Yeah, right, weak ass bars, you ain't tight. So when you spit something, make sure you spit it right. Don't make an ass out of yourself, cause you're losing. The diesel's known for bruising, what is you doing? You know that I'm Hall of Fame above you, Damon. Hug you, Damon, I'ma make you love me, Damon. Talking crazy, ain't gon' get you nothing but smoke. Like when we see you in the playoffs every year when you choke. So the only thing left now is kill these cats. Soft ass baller, I'ma kill these cats. Already one, I'm too smart for these cats. Why you spitting metaphors?
time spitting up fat in the commission. I don't need no permission to hit him. I'ma fuck him up even if my column is with him. See, this little dude can't take defeat. He don't even believe that corny bullshit he speak. That little Kobe comment you said had me grinning. Three times MVP, damn, at least I'm winning. First of all, little boy, you see this ain't beef. You just a talking while I'm hitting, call it a queef. Trying to act like a superstar, pulling your logo. Same cadence in your last flow, switch up your vocals. I can tell in your flow that you rattle. How you a battle rapper in your real job, you ain't win no battle. See you rap cause you need a dog, I do it for sport. When you run, I see that tampon string in your shorts. And you shoot too much, dudes on your team hate it. Keep talking, make a phone call, get you traded. You probably chose zero cause you thought it was hot. You ain't hard cause in real life you dress like a thot. First spanking that I gave you, son, I meant to whelp you. I'm so mad, even God or Allah can't help you. Cash rules everything around me, green. Call him looking ass boy, I'm the Lord of the Rings. Clout chase who, you? You ain't got what I want. Why would I clout chase a dude with camel toe in the front? I'm in your ass now, damn it, ain't gon' ever lay off. Sitting at the desk, watch you die in the playoffs. Things I don't need is attention and money. Tension for what? 10 commercials running, you dummy. Can't wait till you lose this year. Dr. Diesel gon' bring you in for your annual pap smear. Bring that ass over here, you can't walk away cleaners. You gon' walk shoulders down, looking lost and defeated. Put some respect on my name, put some respect on my game. Put some respect on these flames, I'm the big LeBron James. You can never come close to the GOAT. Barely make it every year, cry, complain about them all-star votes. See you drop that second track in a hurry. How you gon' rest your case when I'm the motherfucking judge and the jury? You said my Shaq shoes are cheap, but why when I walk in these bitches, boy, I can't be beat. See you got the millennial fool. How you rep Oakland, but we're to an Alameda Catholic school. Sitting in a church-friendly classroom facility. Right rhyme don't give your ass no street credibility. Okay, I see what you did, yo. Alameda, south of Oakland, and east of San Francisco. If you were so great, they would've retired your jersey at Weber State. But they didn't, cause they know you a fake. The world gon' see you fall. Lyrically, I'ma do to you what Rondo did to Chris Paul. I'ma leave your ass dead and stinking. About to put you low on the ESPN or your Bleacher Report ranking. Think I really care if we speak? You just mad cause your whole salary, yo, I'm making a week. You're losing, Damon. We can see it so blatant. Dr. O'Neal operating on the patient. You know I got a PhD. That Stanford put his ass down, you nothing but a scrub to me. We can keep this going, keep on flowing. Shaq is worldwide, Dame Dollar don't know him. But you think I wasn't gonna respond? Dropping little grenades, I'm dropping them nuclear bombs. Everybody gon' hear this ether. I don't like your ass, I don't like Charles Barkley ether. Lyrically, I'm 7'5" from the waist up. Tell you one more time, Dame Dollar, shut your face up. Nobody to somebody. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux monsieur. À la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi, first run out here. How did you feel in limited minutes? You played two or three spurts there in the first half. Felt good. You know, we prepared for this moment. You know, felt great just to be out there getting the rhythm. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. Back to
City. Only the seventh player ever and the quickest to get to 30,000, LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And la radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on rattaque avec la dernière. Nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. J'étais en train de diffuser les dernières informations concernant. J'étais du côté des Sixers de Philadelphie. Je parlais de Chris Koumadjé, le Tchadien, qui va donc quitter les Sixers et qui va rejoindre la NBA G League cette saison. On pense qu'il va pouvoir revenir, en tout cas après avoir démontré qu'il est capable de jouer. En tout cas, il n'est pas le seul. On va citer aussi Taco Fall, c'est le Celtic de Boston qui va aussi rejoindre la NBA G League et qui pourrait revenir en équipe première. Alors, tout dépendra des performances dont ils pourront faire preuve durant la saison, comme ça a été le cas pour Pascal Siakam en son temps. Il y a Pascal Siakam qui est devenu une véritable référence pour beaucoup, hein, pour ceux qui arrivent en NBA G League. Il y a beaucoup de joueurs qui marchent sur ses pas, on va dire ça comme ça. Il y a son coach, et déjà Chris Boucher aussi. Qui a été élu MVP donc des finales. Pascal Siakam qui a montré la voie pour beaucoup de joueurs. Ouais. Et il a également été élu meilleur défenseur de G-League. C'est la première fois qu'un étranger obtient ce titre. Ces deux distinctions en même temps. Chris Boucher qui est canadien mais originaire des îles. Voilà. Mais là, ouais, ils vont, pareil, Dwayne Casey est en train d'envoyer un autre joueur. Du type Pascal, Doumbouya, là, il va l'envoyer en D-League, je pense. Ouais, Doumbouya, au Pistons de Détroit. Je pense que Dwayne Casey, moi je le disais en commentaire sur le Radio Hall of Fame, le groupe, c'est un bon coach, mais c'est pas un développeur de talent. C'est un coach qui ne peut que coacher des gens aboutis. Il n'a pas de vision. Et je pense ça lui a joué un tour dans le passé. Parce que, il y a des coachs qui savent former, qui ont une fibre universitaire un petit peu, qui se voient plus loin, développer un joueur à partir de ce qu'on voit de lui. Mais lui, c'est partout où il est passé. Hein, on l'a vu, les jeunes de Détroit, c'était compliqué. Et même à Toronto, c'était une équipe établie. Hein, il fallait avoir une certaine vision, un jeu un peu parfois universitaire où tout le monde participe, tel que le coach de Toronto actuel, là, j'oublie encore son nom. Nick Nurse, quand il les fait gagner, on voit des participations de certains joueurs qui ont amélioré leur jeu à son contact. C'était flagrant comment Van Vliet et Pascal et encore d'autres, même l'autre, Norman Powell, oui. Flagrant, comment, mais ça, c'est ce que Dwayne Casey, c'est pas son truc, ça. Mais je pense qu'il refait la même erreur. Mais après, ça peut être bien pour Issa aussi d'aller en D-League, se faire un nom, parce que je pense qu'il va marcher sur les gardes de D-League et qu'après, il revienne dans l'équipe première ou ailleurs. Hein, parce que quand tu as un bon CV en D-League, même une autre équipe NBA veut te donner ta chance, parce que beaucoup de coachs suivent quand même... ce qui se passe en D-League. En D-League, effectivement. Voilà, allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Missy, ça a été un plaisir d'avoir discuté avec toi, participer à ce talk show. Missy, on va dire à la prochaine. Juste une petite chose. Vas-y. Saluer Shaquille O'Neal. Oui. Pour cette action qu'il a menée cette semaine. Oui. Un jeune homme qui revenait d'un match de football a été touché par une balle. Ce jeune homme était dans un hôpital, ne pouvait pas regagner son domicile parce qu'il n'avait pas de domicile adapté ni rien d'autre. Donc, Shaquille O'Neal a permis donc à la mère, qui est la seule, ses deux enfants,
de trouver donc un domicile. Pendant un an, le loyer va être payé. Papa John's, des pizzas, va mettre l'associé donc de Shaquille O'Neal aussi, va mettre la main à la poche. Bref, c'est des actions comme ça. Après, celle de Michael Jackson, Jordan. Après, celle de Harrison Barnes, qui va payer les obsèques d'une jeune femme tuée par la police. C'est bien qu'il y ait ce type d'action. Donc, on connaît sa générosité à Shaquille O'Neal. Félicitations à lui. Big up. Merci, Missy, d'avoir participé au talk show Total Africa NBA. On se dit à la prochaine, tu le parquet. Hein. À la prochaine, merci. Oui. C'était un plaisir. Le Doc Wanpi. Le Doc, merci d'avoir été connecté avec nous. Merci, merci à tout le monde. Très bon début de semaine. C'est la semaine, la reprise. Ouais. On est excités. En plus, mardi dans la nuit, de mardi à mercredi. Donc, on est très là. Bien. On verra les bagues. Hein. Voilà. On verra la bague. On verra la bague de Siakam. La bague de Siakam. Siakam. Voilà. Allez les amis, c'était une belle émission. Merci d'avoir été connecté avec nous sur ce talk show. Restez bien connectés sur la radio. Hein. Radio Refrain Basket, pour en suivre 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous donnez rendez-vous pour les prochaines éditions. Ciao les amis, bye bye. Ciao Missy, ciao le Doc. Ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard. Yes. Obviously. Yes. It's look, I know LeBron James is one of the most perfect players we've ever seen, and obviously have an AD who I think is a top five player. But thinking about the way that Kawhi Leonard has just played this past season, winning a championship, being a finals MVP, and then bringing Paul George to the table, a guy who was in the MVP conversation, two lockdown defenders, they complement each other extremely well. Obviously, you saw what they had right there, 16% chance to win the whole thing. I think that's because you have two guys who are two great defensive players, and then also two guys who are very clutch offensively as well. I'm not mad at you at all, but think about it like this. Paul George was third in the MVP race. This season, he's going to be the fourth best player in his own building. I'm going with the Lakers on this one. You said the two highest PERs. Yep. LeBron hasn't played basketball in 6 months. He's going to be motivated. He's going to be fresh. Anthony Davis was a star in New Orleans. But you know what makes you a superstar? Balling in the playoffs. He's going to get a chance to do that now. He's going to elevate himself. He's going to be amongst the league leaders in points and rebounds. LeBron James, the same exact thing. They have something special going in purple and gold. Wait, you weren't a defensive guy. You didn't at all. That's what I'm saying. I didn't mention that word once. Don't you think that matchup of having Kawhi go against a LeBron James, like he would take on that responsibility? Now, I know there's load management issues there and Paul George coming off the shoulder injury, but I still think that that kind of lineup between the way those two play, that's going to be a dynamic duo. Those are the two best two-way players, yes, probably. So we're going to see, like, that's the best defensive duo, maybe. And my question for you is, so then where does KD, or when we're seeing them line up, who are LeBron and where is AD? Where are they playing? Is AD a five? Is that going to be the closing lineup? How do the Lakers structure that? You know, use a stretch four. So sometimes the big doesn't always want to play the five. He doesn't. So he's not going to start at the five. But guess what? JaVale McGee, Dwight Howard, they won't be finishing the game. Nope. Anthony Davis will be playing the five. Kuzma will be in there. LeBron will be in there. And either Avery Bradley or Green is going to be in there for defensive purposes. So I guess you do whatever you have to do in order Absolutely. To make it back to the playoffs. Yes, indeed. Okay, that's the best duo, according to you guys. Then who's the most intriguing? We might have questions about this duo, but we still get a little excited about these two. I'm going to go with the Golden State Warriors. I'm going to go with D'Lo and Stephen Curry. Okay. I'm going to say this, too. The Golden State Warriors mark down the date. They are not going to make the playoffs. The Golden State Warriors are not going to make the playoffs. And this is why I say that D'Lo and Stephen Curry are the most intriguing duo. Now, D'Lo played extremely well last year. He got the Brooklyn Nets to the playoffs, correct? He made the All-Star game. He wasn't the guy at first. Caris LeVert was the guy, right? D'Lo started to find his swagger. I wonder how D'Lo will do in a system that he can't dominate the ball. The team that has made it to five straight finals is not going to make the playoffs. Yes, it's a different team. Klay Thompson's not going to be there until March. Who knows how he'll be when he comes back. They lost Rod Adams, too, which is their defensive coach. So now they have a different identity.
Both D'Lo and Stephen Curry do not defend. We've seen this before. And now the usage rate for Stephen Curry is going to be extremely high. He's going to need to do everything. Draymond Green got a big-time contract. We're going to see if he can score and carry that load. But I think there's going to be a lot of pressure on D'Lo to play in that new style on the system and that run and gun. I don't know if that suits his game specifically. I don't think D'Lo earned his way to the top duo conversation just yet. Interesting. It's going to need to be. Who else is going to be the duo on that team? Well, Draymond Green. I feel like he